Bonjour à toutes et à tous. Comment ajouter une liste déroulante dans Word? Avant de commencer, il est nécessaire d'activer l'onglet développeur. Pour ce faire, allez dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban et cocher Développeur. Donc, une fois que j'ai l'onglet développeur activé, je vais aller dans le groupe Contrôle et cocher sur l'icône Liste déroulante. Je vais par la suite cliquer sur Propriétés. Ici, je vais lui donner un nom, par exemple Civilité. Et tout en bas, je vais créer ma liste en cliquant d'abord sur Ajouter. Premier nom de ma liste, Madame. Je clique sur OK. Je rajoute un autre nom, Mademoiselle. Et pour terminer, Monsieur. J'ai bien sûr la possibilité de remonter un nom tout au début de la liste. Par exemple, mademoiselle, je le mets en première position. J'ai bien sûr aussi la possibilité de descendre. J'ai aussi la possibilité de changer bien sûr la police. Nouveau style. Ici, je vais choisir Arial et je vais le mettre en gras. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Je sors de ma liste et pour sortir de ma liste de données, je dois recliquer sur Création. Et ici, j'ai ma liste déroulante. J'ai bien sûr la possibilité d'agrandir ma liste, par exemple en allant en cliquant sur ma liste, bien sûr, ma liste de données, et en allant sur Propriétés. Et bien sûr, rajouter autant de noms que je le souhaite. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel, pas très long, vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous, quant à moi, à un autre tutoriel. Merci, à bientôt, au revoir.